proprement libyenne. Ça dépend d'eux. Le souhait, le véritable souhait, c'est que les frères libyens s'élèvent, ils pensent à la Libye avant de penser aux intérêts partisans. Le nombre élevé de candidats, ça risque de perturber l'élection. Mademoiselle ou la monsieur, non, quand même. Attention, c'est pas beaucoup. Ça, c'est un début. Attention, il y a dans les pays qui parlent de démocratie, à leur début, c'est des centaines et des centaines de candidats. Tout début est difficile, tout début... Vous êtes pessimiste pour les prochaines élections en Libye? Jamais pessimiste. Moi, je crois que les peuples, je crois que les citoyens et les citoyens, quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes, ils arrivent toujours à se hisser, à se transcender pour faire face aux problèmes auxquels... C'est une excellente... Premièrement, pas uniquement sur la violence, le fait de réunir l'ensemble des frères africains ici, c'est pas évident. C'est la première fois que ça se passe depuis 58. Donc ça va rester une étape cruciale. Toujours. Les peuples qui progressent, le niveau de conscience s'élève, s'améliore, et les gens commencent à prendre conscience, à cerner. Inch'Allah. Madame, la Libye, c'est une autre question. Les intervenants en Libye sont nombreux. Malheureusement, le criminel Sarkozy, voilà ce qu'il a fait de la Libye et voilà ce qu'il a fait de toute l'Afrique. Les retombées de la crise libyenne n'ont pas touché uniquement la Libye, elles ont touché l'ensemble de l'Afrique et l'ensemble du monde.